Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Beurre TV comme chaque lundi soir pour un nouveau numéro de votre émission La Troisième Mi-temps. Notre équipe de rédaction se donnera un plaisir de décortiquer pour vous toute l'actualité du football national et cela en compagnie de nos consultants et spécialistes. Bonsoir Al-Hajj. Bonsoir Hamou. Bonsoir Nasser. Bonsoir Hamou. L'émission de ce soir sera consacrée à deux très importants sujets en relation directe avec le bon fonctionnement de notre football. Et nous les présenterons à travers deux questions. La première, combien de joueurs professionnels qui exercent en Ligue 1 et Ligue 2 ont des contrats directs avec des agents agréés par la FAF? La deuxième question, combien d'entraîneurs le championnat national consomment-ils chaque année? Pour cela, et pour nous accompagner durant toute cette émission, nous avons choisi d'inviter deux acteurs directs de notre football. Et que d'abord, un qui exerce en tant qu'agent agréé de la FAF, Adnan Brah, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est l'entraîneur de plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2, et qui n'est autre que M. Nour Benzekri, qui a choisi actuellement une petite retraite voulue, c'est ça? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais. Elle est voulue? Ouais, voulue. Ça fait maintenant la troisième saison que je suis à l'arrêt. Pourquoi? Eh bien, parce que je l'ai voulu, hein, comme ça. Hein. Donc, ça c'est clair, je crois que Hamou, elle est voulue. Ouais, ouais. Je me dis que le football actuel n'est pas fait pour moi, sincèrement. Donc, je n'arrive pas à m'y faire un peu dans ce métier qui est devenu de plus en plus difficile. Très bien, on va revenir. On va commencer l'émission en donnant quelques chiffres. Messieurs, est-ce que vous savez qu'on compte plus de 800 joueurs entre la Ligue 1 et la Ligue 2? Aide les joueurs Kamel, pour tous ces joueurs, combien y a-t-il d'agents agréés FAF pour tous ces joueurs qui sont à la National 1 et la National 2? Ah, ben, c'est une dizaine, voilà. 32. Ils sont 32. Hein, c'est un chiffre qu'on a retrouvé sur le site de la Ligue nationale. Mais on a consulté le site de la FIFA. Sabna, 40 agents. Donc, Adnan, je crois que le site, la FAF ou la Ligue, Lazmlo, une mise à jour, non? Lazmlo, une mise à jour, il n'est pas à jour. Parce que sur le site de la FIFA, on est 40 agents agréés au sein de la Fédération algérienne de football. Et comme vous étiez en train de dire, il y a apparemment quelques 800 joueurs. Plus de 800 joueurs, donc 40 agents pour 800 joueurs, c'est peu. À titre comparatif, Adnan, l'Argentine, par exemple, en compte 132. C'est énorme. Mia ou Minut Latine, agents. C'est énorme. Là, c'est vraiment minime. C'est-à-dire qu'il y a un concours qui se fait au niveau de la fédération. Dernièrement, il a été... Je crois que ça s'est passé jeudi. Et il y a un concours qui se passe deux fois par an. Il y a deux sessions. Deux voilà. Sessions. Wahda au mois de mars, Wahda au mois de septembre. Et voilà. Et peut-être sur une 150, hein, j'en ai vu. Hein, candidature. Ils en prennent des fois un seul, des fois deux, des fois trois. Il y a un taux de réussite. Il faudrait qu'il y ait un taux de réussite qui est faible. Mais les critères aussi, dans ça, ils sont différents, je pense, par rapport à d'autres pays. Mm. Parce que là, moi, j'ai eu l'occasion de connaître un des anciens joueurs, la Mana, Janet en l'occurrence, qui a la joueuse concours Tao, pratiquement il n'a reconnu personne dans la salle. Dans le monde du football qui sont venus pour passer le concours. Mais Julia, justement, Nasser, Fiort comme Thomas. Est-ce que qui fait que tout signe? Est-ce qu'il y avait des agents? Non, déjà. Non, Fiort, c'est sûr, c'était pas le même football, c'était pas la même gestion, c'était pas les mêmes. Le football, ce cas, c'est un football business. Donc, avant, c'était le joueur lui-même qui peut-être négocie. C'est lui, ouais, qui négocie le club. Et généralement, le joueur qui a entre 5 et 10 ans dans un club, d'où il n'avait pas besoin d'un agent. Mais il fallait s'aligner avec le monde du football actuel où il faut des agents. Mais on est toujours chez nous, comme on dit, Adlan, peut-être il y a 40, parce que je suis sûr que le nombre est exact. Parce que 40, on peut bien être là. Ce qu'il y a que même dans le cas, c'est que
peut-être il y a les parents, il y a les frères. C'est les agents. Entre agents agréés, officiels et agents secrets, entre guillemets. Mais maintenant, je fais l'espionnage, mais il y a des agents clandestins. Voilà, c'est ça. Pratiquement. المهم كا كوا كوا كان بالك جا كانت عندي شويه لا شونس دو الحقت بهاد لا جينيراسيون حنا نوتري بوكو سي كيما قال ناصر ما بيرسونالمون جي دي ديفيكولتي يا بور شانجي دو لوسما باغ اكزومبل كي رحت لوسما لا جيسكا باوي حنا نافي البروبليم دو ليبراسيون على ليبوك مو اني شافي وين اون سكاسي لا تيت مع لي ديريجون باش باش تقول لهم كما يقول ناصر تروح تقول لهم بلي فوالا ميتنون يا اون كارير ا جيري كومون كون في فودري كو انا نشوف بلي الانتيري تاعو في هاد ليكيب سيتي تري ديفيسيل على لوتر ايبوك حنا كما قال ناصر يافي اوسي لا فيديليتي دي فوا تقدر تقعد حتى 10 في الكلوب تاعك اي بي ميتنون كي تجي تحت يبدل يفو ريكونات بلي حنا كنا في لاماتور ميتنون سي الموند بروفيسيونيل انا نشوفها في لي ديرنيير زاني تاعي يافي لي اشو وياسف وغازي كومباني بان بيرسونيلمون قلت لهم يدي فوالا وجي للبروفيسيونيل لي كونترا يفو فير ان اجون كيما براح بور لي 5 ولا 6 جوار لي راكو اي بي بور لافنير اي سا فو سيري ترانكيل ان اجون ولا ديفوند انتيري فوالا كيلكان كي فا ديفوند فوز انتيري اي فا افوار دي كونترا اوفيسيال ميتنون Et comme ça, vous allez progresser sur le plan sportif et matériel. Mais ça, paradoxalement, Nor, اليوم les agents sont agréés, c'est-à-dire même les contrats à la fédération, on exige la présence d'un agent. On voit que les joueurs tawana ils me douchent même les agents. C'est pas normal, non? Mais comme قال نصر, je pense qu'il y a beaucoup plus les parents qui sont derrière, donc les parents, les amis, beaucoup plus ça et puis des agents secrets comme tu les as entre guillemets. Donc on retrouve encore les vieux réflexes. Mais pour revenir à l'ancienne période, l'entraîneur était l'agent du joueur. Donc, bon, il y avait une confiance. Il y a entraîneur et entraîneur. Bon, il y avait une confiance. C'était l'entraîneur qui parlait un peu des problèmes des joueurs. Donc, et puis, il n'y avait pas grand-chose à négocier. Hein. Pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, ça se négocie, c'est des contrats. Donc, c'est suivi. Et la FIFA, il y a toutes les instances qui suivent un peu la chose. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir un agent, un avocat en quelque sorte du joueur. Donc, mais ce qui m'agace un peu, c'est que les agents ne font pas tous hein, correctement leur boulot. Parce que, et même les clubs, ils sont un peu victime un peu de cela, victime ou bien c'est une entente entre eux. C'est les joueurs qui signent pour une année, ça, je ne vois pas l'intérêt et du joueur et du club. On voit par exemple un club comme l'USMA où la majorité des joueurs qui signent vraiment un argent quand même assez conséquent, qui signent pour une année avec un projet à long terme. Donc il y a beaucoup à dire. Il y a eu, pour enchaîner un peu ce que dit Nord, c'est que, comme il y a l'exemple de Sétif qui fait signer des joueurs une année avec un projet de participer à un championnat du monde des clubs, Serrar l'a déclaré, et dans 3-4 ans, mais on ne peut pas signer un joueur pour une année, et c'est le joueur lui-même peut-être qui traite son dossier, son contrat. C'est pas possible, on peut pas parler de projet comme ça. Mais là, c'est une question de confiance aussi, parce que les joueurs, parce qu'il y a tellement de problèmes, qu'il y a beaucoup de problèmes avec les présidents, que les joueurs, ils craignent. Donc, il y a une crise de confiance, ça, on le sait tous. Mais maintenant, les contrats, ils sont protégés, les joueurs. Oui, je pense que s'il y a une masse qui met le nord, une masse salariale importante, là, il faudrait que le joueur aussi pense que, les trois années,
la mensualité à 2,5 millions de dinars, comme l'année prochaine, elle peut progresser avec les objectifs du club. Il y a un contrat qui va être signé. Je crois que les joueurs maintenant n'ont pas compris. Mais Lyon, ils n'ont pas compris que des contrats à longue durée. Même les clubs qui m'ont le coach. Sur un autre truc, si un joueur, lui, c'est lui qui traite son cas, son dossier, son contrat. Il peut jouer 10 ans de carrière à haut niveau. Il peut jouer une année, deux ans, trois ans. Mais il va perdre des forces. C'est pas possible. Le rendement, sur le plan rendement, il va être négatif au bout de 2-3 ans. Il n'aura plus le rendement. Alors que si j'ai un agent, je fais que jouer, je fais que progresser, je fais que j'essaie de gagner plus d'argent. C'est-à-dire, je vais gérer ma carrière, je vais être plus performant, pour rejoindre un peu Nasser et le coach Cheikh Tananour. Il a dit Alash signé un contrat d'un an. Je vais dire pourquoi Alash signé un contrat d'un an. Est-ce que maintenant Cheikh Nara El Belou il est plus à présenter le monde du football? Est-ce qu'il y a un joueur en Algérie qui a signé un contrat professionnel avec un club ou derrière une clause libératoire? Est-ce qu'il y a un club qui libère un joueur pour un autre club en Algérie? C'est pour ça que le joueur ne veut pas signer et dire contrat ta'am. C'est votre client, donc vous devez vous en occuper. Bien sûr, mais les présidents de club, aucun joueur ne peut signer un contrat de 4 ans en Algérie. Pourquoi ? On prend un club, par exemple, au Mouloudia, il y a un joueur qui signe pour 4 ans. Au bout de 2 ans, la JSK veut le prendre. Mais il est alcoologe. Les clauses. On a des problèmes avec les présidents de club. On appelle ça une clause libératoire. Exactement. Il n'y a aucun club avec qui tu peux négocier ou dire voilà, on déroule une clause libératoire pour le joueur, par exemple, je le libère pour tant d'argent. Mais personne ne le veut. Excusez-moi, Adnan, quel joueur a-t-il sous contrat? Agda, pour le moment, j'en ai 8. Là, on est un groupe d'agents. Je ne travaille pas sur. À chaque fois, confronté à ce genre de situation. Bien sûr, tout le temps. D'abord, je voudrais une question bien précise. Comment on devient agent? Une telle qui fasse, par exemple, pour être agent. C'est ma passion pour le football. Oui. D'abord, moi, j'ai joué au football. Mais j'ai joué à El Biar, à Hyderabad, dans des petits clubs et tout. Et comme avant. Les parents, ils disent il faut pas laisser tomber les études et tout. Donc, c'était pour. On a continué à faire nos études. Et en même temps, il s'est dit il y a de la passion pour le football et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas devenir agent? Je fais des amis ou des anciens joueurs, les labs en catégorie jeune et tout, et qui ont percé. Et à un moment donné, tu fais me confronter à ce genre de problème. Donc, peut-être tu as vécu ça, tu as bêté avec eux, tu as et tout. Donc tu te dis علاش pourquoi pas مساكن راح ندافع على هاد على هادو صحابي هادو اللي كانوا يلعبوا معايا. Et à partir de là, on a passé un concours. C'est un concours qui se passe comme je disais tout à l'heure deux sessions en mars et en septembre. Il y a 15 sur la FIFA, 5 sur la question de la fédération, c'est la fédération jeune de football qui les prépare. Et après on vous délivre une licence, vous pouvez exercer partout dans le monde. Et pour les joueurs, qui veux-je trier? Comment, c'est-à-dire le mode d'emploi d'un contrat joueur, agent joueur? Qui veux-je dire? Il y a un choix ou la legit ou la? Quels les joueurs legit? Quels des joueurs ils sont on peut les compter sur les bouts des doigts. Quels des joueurs qui sont? Romains sur les sites. Oui. Ils sont un petit peu cultivés et tout, donc ils rentrent sur le site de la FIFA et tout. Ils cherchent des agents. Ils prennent attache avec nous. Quand ils prennent attache avec nous, nous on a un contrat de médiation qui doit être signé entre l'agent et le joueur. Et le contrat de médiation, il est déposé, enregistré au niveau de la Fédération algérienne de football. À partir de là, le joueur, il est tahtamaytek, si on veut dire. Et comment se fait-il عندك maintenant que vous faites partie des plus anciens maintenant au Zaïre, un nombre aussi minime, oui. D'abord, ça devient comme c'est Ben Skiri, ça devient difficile le football de nos jours.
D'abord, le métier tana, il est très difficile. Pourquoi? Parce que les bons payent pour les mauvais. D'abord, il y a les agents secrets, comme vous dites, qui travaillent à notre place et qui sont bien vus par les présidents de club. Pourquoi ils sont bien vus par les présidents de club? Parce que ces agents, quand ils viennent, même par les joueurs, les joueurs maintenant choisissent, ils préfèrent aller vers un pseudo-agent que d'aller vers un agent de joueur. Voilà. Le joueur, il nous voit comme le fisc, les impôts. L'agent, il dit, je n'ai pas le 10%. Je n'ai pas le 10%. Je n'ai pas le pseudo, je n'ai pas le million ou les autres. Le contact le club. Mais attention, Adeline, des fois, ce n'est pas Mélion ou Lazo. Même les agents, Adeline, oui, oui, oui. Ça dépend. Maintenant ça a augmenté. C'est vrai, oui, que ça a augmenté. Mais le joueur, il ne sait pas qu'en cas de litige avec son club, le pseudo-agent, il ne pourra jamais le défendre. Il va aller à la fédération, à la commission des litiges, et voilà, le joueur, il mange khalas ou là, non. Donc, voilà, on éprouve énormément de mal. Même au niveau des clubs, est-ce que qu'il y a des clubs qui affublient les agents FIFA qui mentent, ils sollicitent, je demande le profil de joueur. Il n'y a aucun club qui sollicite un agent FIFA. Les clubs travaillent avec les pseudos. Jérôme Sahla. Pardon, Nasser, comment en est-on arrivé à l'apparition ou la profusion des agents non agréés? ماشي سي اون براتيك قديمه ميم حنا في وقتنا با على فان دو ما كارير نشفى كان الكوميتي دي سيبورتور هو اللي يجيب جوار يوريكريتي نيغوسي كلش من بعد ولا الخضار ولا البوشي يجيب الماسون يجيب ولي دحومه هذاك يجيب بون هذاك الوقت صابري سي با بعد سي لاماتور معليش تقول لي قعدت سي دي تروك لي قعدوا سا سي تون غاسيني كيما نقولوا ومن بعد قعدت بيان كو كاين كيما تقول شو دي زاجون اغري فا فيفا مي لي جون قعدوا بالعقليه تاع هذيك تاع لي زان فان دي زاني 90 ولا ديبي دي زاني 90 وين نيمبورت كي بو ريكريتي يجي يقول لك هاي ليك ومن بعد يدي مع يقولوا اعطيني طون لاخر بون تي دو كاسي ديفوني بلوز امبورطون مي سكي في مال سي كو سي لي بريزيدون لي ريسبونسابل دو كلوب لي مادابيا ما وشوش يقول سي غراف يقول لك انا مادابيا افيك ان بسودو كون سيني افيك ان تروك ليغال وين تو تي كلين يدي بريزيدون لاصا لي يديروا الثقه في بسودو كو في سي غراف سي با بوسيبل دو انا نشوفو لي كونفلي لي كاين او نيفو دو لا فاف اي دو اوسي ناصر دو اوسي دي زاجون. Vous pouvez le confirmer, Adnan, des agents agréés qui sous-traitent à des agents non agréés. Ça, Kayn, des agents agréés qui sous-traitent. Mais pourquoi, Hamou? Mm-hmm. Les agents n'arrivent plus à travailler. Kayn, par exemple, moi, j'ai un métier. Mm-hmm. Adnan, c'est une passion. C'est Kayn, des agents qui ne font que ça. Mais où il a le mercato? Il faut qu'il dehors le khubza le dar. Il est obligé de travailler. Il trouve pas. Mais quand je suis allé non. Donc, il sous-traite avec un pseudo-agent. Où il se met? Ou le pseudo hadak yati le wach yhab alors que l'autre il a sa licence et il est agréé et tout. Mais justement, est-ce qu'il y a possibilité de surtout ils sont officiellement agréés par FIFA et FAF qui chauffe hadak le pseudo, est-ce qu'il qadro kayen une cellule nous ychki ou le jma hadou hna rana on est officiellement. Mais c'est à la ligue, à la fédération de prendre des je sais pas des sanctions, des trucs, c'est pas possible. Et oui, c'est en principe il y a quand même quelque chose à faire. Si, parce que le problème, il est la FAF, il est la Ligue. Aujourd'hui que la pratique, elle est tolérée. Donc, non, je suis un agent FIFA officiel. C'est simple. Je pense que c'est tout à fait simple. Il suffit d'exiger, au niveau de la Fédération, de la Ligue nationale, d'exiger un agent agréé. C'est tout à fait simple. Si on exige un agent pour... Elle existe pour les contrats agents agréés, mais on l'applique pas. Mais pourquoi on tolère ça? Donc, moi je vais aller plus loin. C'est toléré dans tout. Il n'y a pas que le football. L'informel est toléré dans tout. Donc moi ça ne m'étonne pas d'entendre toutes ces choses là. Donc, mais je me demande, moi, un joueur qui signe dans un club et il signe sans agent agréé. C'est inconcevable. On parle d'un football professionnel, d'une ligue professionnelle. Surtout de nos jours. On passe à une autre étape. Avant tout, on regarde l'intérêt du joueur. Voilà. Où est l'intérêt du joueur en signant un contrat avec un entraîneur informel? C'est pas poussé. Voilà. Avec un agent informel. Mm-hmm. Où est son intérêt? Demain, on va lui faire signer un contrat bidon. Il n'est pas défendable déjà ce contrat.
Et puis moi, encore quelques tuyaux encore à rajouter. C'est qu'on fait signer des contrats à des joueurs et on laisse des cases vides. Mmh. Oui. On laisse des cases ça, vides qu'on rajoute par après. Tout à fait. Je me demande, ce joueur, c'est une pratique ordinaire. Au lieu d'aller payer 10% à un agent, il en perd tout. Voilà, tout à fait. Il perd tout. Mais c'est réflexe à la Ligue, à la Fédération de prendre des mesures. Exiger tout cela. Exactement. Il faut imposer. Il faut imposer ça. Il faut imposer. Il faut imposer, c'est tout. Il faudrait un agent gris énorme. Mais là, quand tu as les faits, c'est budget, on rejette la licence, c'est tout. Un travail dans un taxi, on peut signer un contrat. Adlan, ce qui nous arrive justement, parce qu'en parlant des agents informels, secrets, comme Alain Goulou, ils n'ont pas le droit d'intervenir quand il y a un litige. Oui. Est-ce qu'il y a un suivi avec les joueurs ou la signé avec un contrat? Donc, tout le temps. Tout le temps. Intervenir, tu as des joueurs, ça sera un litige. Oui. Par exemple, quand on signe un contrat, d'abord, la durée du contrat de médiation qui est signé entre le joueur et l'agent, il est de 2 ans au maximum. Mais après, on peut le renouveler. Mm-hmm. Tu ne peux pas signer avec un joueur 4 ans, Makashmena. Ça n'existe pas, donc c'est réglementé par la FIFA. Par exemple, je vais prendre un exemple de l'ancien joueur qui était à l'USMA avec Moncharé. Je le suis toujours. Il est venu du tonnerre de Yaoundé à l'USMA, et de l'USMA, il est parti au FUS de Rabat. Et donc, il est au Koweït. Il est au Koweït, exactement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais si on prend un petit échantillonnage, un sondage, on va prendre un échantillon de joueurs algériens. Choufou, est-ce que combien de joueurs algériens ont signé un contrat de médiation avec un agent agréé? On peut les compter sur les bouts des doigts. Avec des chiffres, non. Peut-être 5 ou 6. Ça, c'est une culture. Ça n'arrange pas. Et les clubs, surtout. Mais bien sûr. Ça n'arrange pas les clubs. C'est pas possible. Si quand on accepte des situations d'un joueur qui vient signer avec un pseudo, ou la wahdou, ou la ma'baba. Ils trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte qui m'a calé. Non, ils trouvent leur compte, mais ça se répercute sur le rendement du. Sur la carrière, sur le niveau. Ben voilà, ce qui me rend fou, c'est le joueur qui chamem. Qui va chercher les wahdou d'aller officiellement. Il y a un problème de niveau. Ils vont me défendre. Il y a un problème de niveau. Les Jim'aïa Fadik Balak, l'heure qui suit la signature, on va mettre une chauffe. Il y a un problème de niveau. Il faudrait que le joueur soit d'un bon. Non, mais il faudrait que les instances aussi. C'est un tout. Le joueur est responsable, les instances sont responsables. Tout à fait. Les présidents de club et les dirigeants de club sont responsables. C'est les trois parties qui sont responsables. Les entraîneurs, même les éducateurs. Quand on parle de la direction du club, c'est tout le monde. C'est le staff, c'est tout connaissant, le monde. Connaissant le niveau des joueurs, les instances devraient réagir et imposer des règles. C'est ça. C'est tout simple. On connaît la valeur intellectuelle du joueur algérien. Elle est connue. Donc il faut les aider, ces jeunes-là. Parfait. Ils ont besoin d'aide. Comment les aider? C'est par des lois. C'est comme ça qu'on peut les aider. Et imposer ces lois. Très bien. Hadj, se mettre des joueurs, des agents plutôt, qui ont des liens très étroits mais à des présidents, et qui imposent leurs clients. Il dit Bouhoum, parce qu'il est copain avec le président. Il dit Je ne sais pas où existent les agents agréés. Mais le Khorin, moi je. Écoute, je pense que ça existe. Partout. Et ça existera. Et Djiblo un produit, et puis il te fait mal le président de Théo, il est là avec le produit. Mm-hmm. Maintenant, ça dépend qui va te connaître le Moufawadat, bien entendu. Donc, un joueur là, il soit 10 millions de dinars, bien entendu, la cote est haute, et tout le monde sera bénéficiaire. Le président Moufawadat, il est là. Maintenant, est-ce que le joueur là, il va apporter l'équipe sur le plan technique et tactique? Mais sinon, les pratiques existent en football. Non, il faut le dire, ça existe. Sera ou mazal existe de sera. Non, ça se passe partout dans le monde. C'est du business. Lazm drahem, lazm joueur ta'a dak djabouhom. Non, ça, il y a des exemples. Il y a des joueurs djabouhom l'étranger. C'est des agents djabouhom. Il y a des Brésiliens djabouhom. Là, vous faites le Mouloudia, par exemple. Il y a des chenahom. Mais il faut ils ne savent pas manipuler le ballon. Ça, là. Il y a d'autres Africains, entre parenthèses, les djabouhom.
يا 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 دي جوار يا جوار ديال اليوسما ما شفتش اسمه كنت جا غارديان دو بيت كان عنده دو ليسونس هذا سي با لاجون اللي جابو تاع البوركينا فوالا جا لعب ومن بعد ولا الكلوب خسر حبيت نقول لك الحاج سي لاجون سي سي ان اجون بروفيسيونيل اللي يعرف كيما حمو بوز لا كيسيون بتات لعب فوتبول انا شي سا فو با دير كان اجون لازم يلعب فوتبول باش يكون اجون المهم يتريز الفوتبول يعرف شويه يعرف شويه الفوتبول يكون باسيوني سورتو باسكو جي مي انا واش قال باسيوني سي امبورطون Quand on est passionné, c'est bien, c'est très, c'est très important. Ça veut dire que tu maîtrises, que tu connais passionné. Hein? Mais ce qu'il y a, c'est que l'agent, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est-à-dire que... Il ne faudrait pas qu'il soit handballeur ou la basketteur pour pouvoir gérer la carrière d'un footballeur. Oui, c'est ça, heureusement. Mais si tu as la passion, ça veut dire que tu aimes le foot. راك تشوف كل سمانه لي ماتش صافي دير انت راك تميتريزي كي تقول لي تجيب لي ان لاتيرال دروا ما تجيبليش انا ان افون سونتر سي سا ميتريزي كي تكون يكون كاين ديزاجون تقول له دوك مازال يهضروا باريير غوش على دروا جيب لي يلي دروا هذيك نو عندنا اسكي لاجون لازم يكون فورسيمون فوتبولور باسكو سي دي لوا سي دي يفو كي يعرف يكون يميتريز يفو كي كونيس ان بو الفوتبول كيما قال لو فوتبول وي il faudrait qu'il ait des notions de droit de droit oui c'est ça c'est l'avocat du joueur je voulais arriver à ça tu te les notions de droit نعرفوها écoute les notions de droit بالراحه قريت انا une fois لي كيستيونير هادو ماشي حاجه كبيره ثاني لي كيستيون دو دروا تعرف تعرف كيفاش ديفوندي الجوار تاعك سي ان لي تيج سي با ادمينستراتيف بي كونيت لي ريغلومون سورتو لي ريغلومون لي ريغلومون دو لا فيفا امبورطون وي هذا ما كان يقول لك يماه طاليانيه وباباه بوركينابي واش من ليكيب ناسيونال يلعب صا يفول لي كونيت خصيتو هذا ما كان صا سي سا سي هادو لي جينيرالمون لي كيستيون نور جو بوز لا ميم كيستيون كيما تاع كيما بوزيتها لعدلان مي كونسيرنون لي زونترينور اسكي دي زاجون جوستومون كي اساي يسيو ينفلونسيو لي زونترينور ولا يدومونديو اسكو لور كليون لور جوار دونك لي جوار تاعهم يلعبوا Moi, je n'ai pas eu ce genre de cas. Donc, il n'y avait pas dans... Moi, ça fait trois ans que c'est à l'arrêt. Bon, c'est vrai que j'ai eu affaire c'est Berrah. Il m'avait ramené un joueur. Mais c'était les débuts hein, des managers. Donc, personnellement, je n'avais pas accepté. Donc, pour moi, ça n'existait pas. On discutait directement avec le joueur. Donc, pas plus que ça. Mais toujours est-il, moi, je suis pour cette méthode. De manager pour les joueurs et puis revenir un peu à la question. C'est-à-dire qu'il pardon qu'il y ait contact entre l'agent ou le club, ah, bien c'est sûr, ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi je suis pour. Hein, moi je suis pour qu'on régularise un peu tout cela et que ça marche comme ça. Mais je reviens un peu aux critères du manager. Moi je suis pour à ce que les joueurs soient managers, les anciens joueurs, et se faire aider par un avocat. Tout au moins au début. Donc c'est encore l'idéal. Mais attention, je ne suis pas contre à ce que bon, maîtriser les lois, c'est pas tellement difficile dans le monde du football. Il suffit d'avoir un contrat type. Puis c'est toujours les mêmes clauses qui reviennent. Je rappelle, Adlan peut le confirmer, sur les 40, soit qu'un seul joueur de haut niveau qui inflige 42, c'est Yazid Sinjar. Voilà. Ouais, c'est important. Mm-hmm. Et puis, connaître un peu les besoins des clubs. Hein, aller chercher le joueur dont le club a besoin. Donc, il faut maîtriser un peu le plan technico-tactique. Parce qu'il n'y a pas que le technique. Hein. Est-ce que le joueur s'adapte un peu au schéma tactique? Donc, il faut un peu maîtriser tout cela. Je vois un peu le Bernès au niveau du football français, quand même, il a pratiquement les meilleurs joueurs de l'Hexagone. Il maîtrise un peu tout cela. Hein. Les lois, je pense, comme l'a dit Hadj, c'est pas tellement compliqué. Hein. Bernès, il a l'avantage aussi d'avoir été directeur sportif de l'OM. Il n'a pas été joueur. Oui, mais il a eu quand même un cursus qui lui permet de... Pape Diouf. Donc, c'est des exemples qu'on cite comme ça, mais ça peut se faire aussi en Algérie. Mais je dis que il y a des besoins, il faut aller chercher le besoin du club, donc il faut être quand même plus ou moins connaisseur dans le domaine du football. Mais, très bien. Je voudrais juste rajouter un truc, parce que, cher,
Vous savez que même les clubs, ils ne sont pas au courant en Algérie, les clubs peuvent signer, l'agent de joueur peut signer aussi un contrat de médiation avec le club. Avec le club. Je voulais parler de ça au départ. Je voulais parler c'est ça. De ça. Ça veut dire, Anna, Gini, une équipe, voilà Adnan, on voudrait signer un contrat avec toi. C'est un forfait qui paye et tu nous ramènes par exemple au Mercato Hada, on a besoin de 6 joueurs. Et voilà, donc l'agent Hada va se débrouiller pour le retrouver, la perle rare Hada, à les 6 joueurs. Mais est-ce qu'il existe actuellement un signe international ? En Algérie, jamais. Non. Mais généralement, c'est les présidents de clubs, c'est eux qui recrutent. C'est eux. D'où ça ne les intéresse pas. Exactement. Ils ne se sont pas tous les gars. Ils ne se sont pas tous les gars. Ils ne se sont pas tous les gars. Le truc, le type de joueur, par exemple, il est sur le plan technico-tactique et tout. Ils s'en foutent. On a vu des équipes où même pas s'il y a 3-4 joueurs. Je pense que c'est une masse de recrutement, une masse de joueurs. Ils y a des joueurs. Les clubs, Cheikh, il n'y a pas une cellule de recrutement. Ça existe, je regarde. Les clubs, ils essaient de... Alors que la dépense est beaucoup plus importante si on ne s'organise pas. Les clubs ne veulent pas s'organiser en pensant gagner un peu d'argent alors qu'ils en perdent. S'il y avait une petite organisation, que chacun prenne son petit dû, je pense qu'ils vont s'en sortir beaucoup mieux que dans cette anarchie. Une dernière question, sujet à Adaloul, Adnan, et les journalistes qui deviennent l'Indien. Informel. Informel, c'est les premiers. Moi, j'ai eu affaire à des journalistes qui nous appellent et qui nous disent, voilà, tel joueur qui est dans tel club, voilà, donc ça rate, c'est vraiment, c'est courant, c'est monnaie courante, mais nous, on ne travaille pas comme ça. Alès, je t'ai dit tout à l'heure, Hamou, Alès, tu n'as pas beaucoup de joueurs, parce qu'on n'arrive plus. C'est bon, on n'arrive plus à travailler légalement et professionnellement, c'est pas possible. Mais le joueur de la droite, Cheikh Benzekir, l'honnêteté ne paie pas. Non, mais journaliste, non, t'as qui te met par exemple un commentaire sur la radio, la télé. Tout le temps. Quand tu vois que il y a des joueurs, tu as la réalité du terrain, elle est autre. Ouais. Tu te poses des questions, c'est pas possible. Il y a plus grave, le Hadj. C'est des joueurs, ils disent la une des journaux à l'intérieur, mais c'est la une de la droite. Il y a une grande. Pas j'ai dit joueur peut-être il a un match sur 5. Ça va les joueurs de l'année avec Barcelona. Il y a des joueurs non, ça c'est beaucoup plus, c'est plutôt commercial. Hadi, c'est pour les journaux, c'est commercial, ça n'a rien à voir. Non, c'est pour vendre, c'est pour vendre, ça n'a rien à voir. Qui connaît un joueur, il a ou t'hadra عليه. Oui. Oui, mais il a un match sur 5. On se pose des questions, c'est pas possible. Est-ce que c'est le journaliste Hadès, c'est le manager de ce joueur lui-même. Ça se passe de la même manière pour les entraîneurs. Hein. Regardez, dès qu'il y a un entraîneur qui sort dans un club, il est annoncé un peu partout. Il est annoncé un peu partout. Ah, c'est une pratique chez nous. Courante. Mais ça nuit au football. Et des fois, les entraîneurs sont trop proches et puis ça spécule. Hein. C'est d'autres qui prennent leur place. Voilà, Jane, justement, très bien. On passe au deuxième grand sujet de l'émission qui concerne justement les entraîneurs. Monsieur Benzekiri, on assiste depuis le début à date à la saison, la valse des entraîneurs date bien avant le début du championnat. On a eu le départ de un limogeage d'un entraîneur qui est Moussa Saïb de la GSK et le départ de Mziane Eril de l'ASO justement vers la GSK avant même le début de la saison. Peut-être la saison et il y a eu aussi des limogeages. Surtout en Ligue 2, il y a eu le départ. Il y a eu départ. Voilà. Croyez que c'est nouveau, c'est pas nouveau, hein. ça dure depuis des lustres, du mojage d'entraîneur. Mais avant le début de la saison. Mais il y a tellement d'intérêt en jeu, il y a tellement d'argent en jeu, donc ça ne m'étonne pas. Hein. C'est le fusible, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'entraîneur. Là, un peu le recrutement qui est léger, c'est-à-dire c'est même sur le plan quand on recrute un entraîneur, c'est pas le profil qu'on recherche. Djibouhala va vite, Djibouhala va vite peut-être. On veut s'en séparer. Il y a beaucoup d'intérêt. Où est l'intérêt de t'enhi entraîneur, de t'jib entraîneur par exemple?
quand même, pas début de saison. C'est un débat, hein. Ça peut durer des heures, hein. On peut en parler, il n'y a pas que dans le football, hein. Pas que dans le football, vous voyez des choses qui se refont, qui se refont, qui se refont, il y a de l'argent qui sort, dès qu'il y a argent qui sort, il y a intérêt. Donc, moi je prends ça comme ça, je le dis crûment. Parce que c'est pas possible. Et puis les entraîneurs aussi, ils ont leur grande part de responsabilité. Moi, je vois pratiquement presque tous les entraîneurs. Je ne peux pas citer un ou deux du championnat qui ont fait leur recrutement eux-mêmes. Les présidents recrutent et l'entraîneur arrive après. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. On a vu avec Saïd, à la GSK. Il est venu, il a trouvé un groupe de joueurs en place. Et puis, le temps de connaître son groupe, il est déjà parti. Après, il y a eu le truc des objectifs, surtout. Il y a des responsabilités de partout. Donc, des clubs qui recrutent à la va-vite comme ça un entraîneur parce qu'ils sont dans le besoin. Puis l'entraîneur qui arrive parce que lui aussi, il lui faut un club. Donc, il arrive, il sait pertinemment que la réussite n'est pas au bout. Et donc, ça ne peut pas durer. Donc tout ce qui se passe est tout à fait normal. Et... Nasser, quand on nous dit que les entraîneurs sont responsables, ma question théorique, c'est qu'il y a des entraîneurs qui proposent leurs services. Automatiquement, quand on propose ces services, on t'impose finalement idiot. Tu deviens vulnérable, tu n'as plus de crédibilité. Déjà, on s'affaiblit au départ. Déjà, au départ, quand tu as proposé les services, tu peux accepter n'importe quoi. Tu cèdes le couloche. On a un chauffeur qui est des entraîneurs, les peut-être... ماشي هما تو دابور ريكروتي وماشي هما يديروا ليكيب ماشي هما اي تو سا لاريفي سا ديفيان دو نيمبورت كوا ان انترينور سي كوا ان انترينور سي سي ان نوم تو دابور سي الكاريزم سي اون بيرسوناليتي اي لي لا اي سامبوز سي ان انترينور يلعبوا به شغل بلوطه تاع التنس ما تقدرش تقول انا مدرب سي با بوسيبل نو تو فو بوكو مون روتور اي ديفيسيل سي فريمون دور ها سي ديفيسيل سورتو لونترينور كي في با ريكروتمون ماشي هو اللي يخلي الجوار تاعو في لي 16 كلوب بالك كاين واحد تاع الحراش هو اللي يدير لي ريكروتمون سينو لي زادر كلوب جينيرال حمو حمو ان انترينور دين اللي يديروا له ريكروتمون ويجي سي با ان جروب دو جوور ان بلاس ما يعرفهمش باين لي بلي ما عنده فيلوسوفي جو ما عنده والو جاي هكذاك هاد برك نشد وين لحقت يعني انا نحاولني راح تشيسكو بو راح تشيسكو بو اي غوبلوت. C'est ce qui se passe. Hein. La majorité des entraîneurs. Il y a un peu d'argent à prendre. Bien sûr, ça c'est sûr. On le prend. Je dis, il y a un petit pactole au départ à prendre, il le prend. Je m'englobe dedans, donc on le prend. Et puis, mais où est la crédibilité, non? Crédibilité, maintenant, elle passe au dernier plan, pas au second, mais au dernier. Et moi, ce que je suis en train de voir, c'est vraiment déçu. Moi, je suis carrément hors football. Je fais autre chose, hors football. Je fais du n'importe quoi, mais hors football. Ça ne m'intéresse plus de vivre ce que vivent un peu les entraîneurs actuellement. Fait mal à la non, mais on vous connaît, non, là, vous n'acceptez pas. La Benabli, vous n'acceptez pas. Vous vous êtes toujours imposé dans les clubs, les firmes. Moi, je me dis, on s'est imposé dans le temps. On a trouvé quand même quelques présidents qui ont quand même qui aimaient leur club et qui ont permis un peu à ce que le travail se fasse correctement. Mais actuellement, sincèrement, sincèrement, à part quelques clubs où on voit que l'entraîneur est plus ou moins libre, moi je ne vois pas sincèrement dans ce football. Généralement, dans notre football actuel, ce n'est pas les entraîneurs qui sont. Comment est-ce qu'on dit on est les présidents de club, c'est les dirigeants. On était les pièces maîtresses. C'est ça, on était vraiment. Nous, on était le club. Tout passait par nous. Mais actuellement, l'entraîneur, il n'a rien entre ses mains, absolument. Il doit les résultats, donc non, là, s'il n'a pas de résultats, il sortait. Maintenant, même les joueurs, non, les joueurs actuels du football, les années passées, ils négocient avec le président, l'entraîneur n'est même pas au courant. Moi, à mes débuts, non, c'était pas ça. C'est l'entraîneur qui était mon protégé. Nora Oukal, au début de l'émission, Nora Oukal Kzman, c'est l'entraîneur ou l'agent du joueur. Et c'est vrai. Tu as parlé à l'entraîneur, tu as dit, c'est lui qui va te défendre tes intérêts. Non, mais on faisait encore plus.
on voyait que le joueur progressait, on allait s'imposer au niveau du club pour un rajout. C'est ça. On ne permettait pas à ce que le club fasse... Mais c'était un autre type d'entraîneur. C'était un autre type de personne, d'entraîneur. Même une autre image de football aussi, Nassala. Moi, je l'ai refait à 3 ans. Comment je résume la chose, Nour Semhli, quand on revoit un peu les entraîneurs, personnellement, que j'ai connus, gars, c'était des ténors du football, c'était de grands joueurs à leur époque déjà. Ils connaissaient un peu, ils savaient ce que c'est le football, c'est-à-dire le football, le winning la sensibilité du joueur. La sensibilité du joueur. Elle a pas oublié, le joueur, c'est un gadget. Donc, quand tu as besoin, elle a besoin de t'ksaro. Le joueur a besoin d'être entouré, d'être volonté, il a besoin, mais. Quand il faut serrer la vis, il faut la serrer. Donc peut-être qu'il y a des entraîneurs, les mains à la bouche football. La fragilité, a dit, les entraîneurs, a fait que. Adnan, d'abord, un des entraîneurs clients, non. En Algérie, non. Non. On a fait les joueurs, je entraîneur, on a fait oui. Mais attends, en Algérie, non. Elle a posé la question. La fragilité, a dit, fait que les entraîneurs Lyon, quand on voit M'Sekin, on le dit. Quand ils sont limogés, ils rouhou hakdak bla indemnité, contrairement aux entraîneurs qui viennent de l'étranger, alors nchoufou fihom, ils se prémunissent d'un contrat avec un contrat FIFA, drahmou mahsoubin, donc même quand on veut limoger, lazm tkhmou lha mlih mlih bach limogiwa, chhal nkhsrou, chhal, n'est-ce pas? Exactement, moi j'ai eu des entraîneurs. Comme Bernard Simondi, à l'époque, quand il était à Sétif et tout, oui. C'était, j'étais son agent et tout. Et quand on voit les entraîneurs étrangers qui viennent là, à la Midi ou en Algérie, ils sont prémunis. Ils viennent avec un contrat embêtant, d'où les présidents, avant de limoger un entraîneur étranger, réfléchissent à 2 fois, sachant qu'il va payer des dommages et des intérêts et tout. Donc, mais en Algérie, là, ils ne prennent pas, ils prennent pas d'argent. C'est un mot. Un contrat, un entraîneur, il connaît un contrat. Barkhana, les entraîneurs, t'as un assez laisse faire. Non, on revient à ce que disait. On accepte. Un étranger, mais il y a des gens qui disent l'aventure, la brousse, ou la. Il va entraîner un club, il a un contrat, il y a des objectifs. Il a le club Adama Adoula, objectif là, il faudrait que j'ai un contrat embêtant aussi. Elle a tapé l'imogénie ou la tenhénie, insuffisant de résultats. Nasser, je voudrais. Les entraîneurs Adoula, il y a un arché ou un homme, des agents. D'abord, les entraîneurs, c'est eux les agents, les joueurs. كيفاش حبيت هذا لونترينور هذا حاشا اللي مستاهلهاش ماشي اون مي با اون فا با مي تو لو موند دون لو ميم ساك كاين المليح والدوني دونك يا دي زونترينور كي هما غامين هاد لي جوور يجيبوهم يسينيوهم كونت اون كونتر بارتي توش دو لارجون On le dit. L'entraîneur, il touche de l'argent. Bien sûr, il y a des entraîneurs qui touchent de l'argent. On sort un peu du. Ça existe, non? Ça existe, oui. Donc, head l'entraîneur, comment voudrais-tu qu'il ait un agent? Ouais, oui, il y a de l'argent. Je suis derbé. Comment il dit le joueur? Mais qu'est-ce qu'il. Comment il va avoir une emprise? Une emprise sur le joueur. Ou si c'est un joueur tao. Quand un joueur tao, il dit, ou un dima. Il lui dit, un dima, c'est mal à la direction. Non, c'est sur le terrain. Qu'est-ce que je peux en tirer? C'est faux, déjà au départ, c'est faux. Non, ça ne veut pas dire qu'il va ramener un tocard. Il ramène un joueur. Mais si tu ramènes un excellent joueur, mais tu n'as pas la même mise à l'aise, joueur. D'accord, mais tu as juste comme fait un tel. Je ne sais pas. En tout cas, Nasser, mais ça se fait. Ça se fait. C'est une pratique qui se fait. Qui se fait depuis des années, même. Donc, il n'y a plus 40. Il n'y a plus. Les journalistes, les entraîneurs, les parents. Est-ce que les entraîneurs ont des contrats déjà? Est-ce qu'il y a un club ici, il y a un contrat avant les Dufort? Il signe des contrats. Ouais. Dans le cas, ça, plus ouais, maintenant avec le professionnalisme. En 2001, j'avais un contrat avec le CRB. Ils m'ont dû 10 ans après. Non, mais on a droit à la Dukal et à les conflits. Non. Pourquoi il a eu son dû 10 ans après? Parce qu'il a la justice. Marche le litige. Il a été protégé aussi par les clauses. Il n'y avait pas la commission des litiges. Maintenant ça change. Voilà. Avec l'aide du professionnel. Maintenant ça va vite. Sincèrement, moi si je suis dans le circuit, si j'étais encore entraîneur, voilà. Je préfère être sous la coupe d'un agent. Oui. Heureusement. Parce que ça te prend du temps. Et puis moi je me dis, c'est tout à fait simple. Que chacun a son boulot. Exactement. Que chacun a son casse-croûte. De quoi manger. Il faut une organisation. Et puis, moi, ça m'arrangerait d'être en dehors de toutes les spéculations. Je me mets sous la coupe d'un agent et c'est à lui
de marchandises, si on veut, de traiter, de traiter. Ça rend les choses faciles. Facile. Très bien. Il y a une autre chose, et Nour Thani va la confirmer, c'est que la solidarité entre les entraîneurs qui n'existe pas. Nastahdar, mais c'est un discours creux. Je fais beaucoup des entraîneurs qui sont en place ou qui sont déjà en contact, mais ils ne disent même pas. Ils disent déplacent tout, ils font des places comme si de rien n'était. Adlan ? C'est dommage. Il y a eu quand même une assemblée là, parce qu'ils ont désigné un président pour représenter les entraîneurs. Je crois que c'est Mahdaoui. Mais il n'y a pas eu de suite. C'est dommage. Écoute, il n'y a pas de solidarité. دوك اللي قال كيما قال نورم قبيله لا ويا د لارجون يا لي زانتيري ان اونترينور كي ترافاي با الى ان كوليغ كو لي موفي ريزولتا ولا بليتو لي ريزولتا ني سويف با با ايكوت اي فابرا اي فرابي على بورتا قال شوي لا دون الكا ون هذا ما يساعدكمش اش بو بروند مي سي دوماج سي دوماج ان برانسيب بار ريسبي او ميتي اون في با سا خلي لا ريلاسيون اللي تكون بينه وبين بين لا بيرسون مي لو مود كون في ماتنو اللي تري ديفيسيل حمو كاين اللي نعطيك اكزومبل كاين اللي ميلابو دون جين ايكيب يكون رون بلاص وما دابا ليكيب تاعو تخسر نو اي فول دير دونك انت تروح لي لونترينور وين يكون سون ترافاي عنده ان كوليك تاعو كو سي با يحبو ولا يكرهو بور اكس ريزون بعد به يصوتي ويروح هو في بلاصتو Nord, le collège des entraîneurs, on en parle depuis des années. Tout le monde en parle, mais on ne fait rien pour l'activer. On avait essayé de le créer, l'association des entraîneurs. Donc, association professionnelle des entraîneurs, on est resté peut-être 2-3 ans. On se réunissait, on s'était organisé. Puis d'un coup tout a basculé. Donc on ne se voyait plus. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Des instances, il n'y a pas d'aide. Et on a tout fait pour essayer de... Est-ce que le problème réside justement dans les instances ou la solidarité si on n'est pas solidaire entre nous. On se réunissait et puis chacun est cherché son intérêt. Dès qu'il y a un entraîneur qui saute, il plonge sur sa place. Donc il n'y a plus d'association. Moi, je me suis retiré par rapport à tout cela. Donc on était là, on défendait l'entraîneur et puis on cherchait à ce que son copain d'à côté saute pour qu'il lui prenne sa place. On le sentait. Et puis à un moment donné, il y avait des entraîneurs qui ne voulaient pas que tel entraîneur rejoigne l'association. Alors que c'est une association de tous les entraîneurs, professionnels. Donc voilà, il faut pas y aller, Benedem. C'est la réalité, elle est là, donc on la sent, on la voit tous les jours. C'est dommage pour le football. Ça sera tout le temps. Ça sera tout le temps comme ça. Hein. C'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. Ça sera comme ça. Chacun cherchera son intérêt. Moi personnellement, je l'ai jamais fait, je le ferai pas. Et quitte à façon qui t'a resté, peut-être que je vais rester pour le moment. Que chez nous, il y a ils existent. Il y a que chez nous, un entraîneur solidaire existe. C'est sûr. Mais il y a que chez nous, un entraîneur, il est en place, là, il fait l'échauffement, comme on dit. Et ça circule. Hein. L'échauffement. Il y a l'échauffement, mais il ne chauffera pas pour longtemps. Non, et parce qu'il y aura derrière un autre qui se chauffera. L'autre, il est plus chaud, donc il n'a pas fait appel. Mais il est chaud. Où est, par exemple, le respect de l'éthique ? Pour ça, on a le collège des entraîneurs. Où est le respect de l'éthique quand on coach trois équipes, par exemple, via un mouahed ? Où est l'éthique ? Je n'ai pas dit qu'il y a des pratiques chez nous, Barca. On est comme trois ou quatre équipes, mais très d'âge. Le temps, mais on a qu'à taf l'effectif, par exemple, on est comme l'yom. Pendant trois mois, deux mois après, tu as un autre effectif. Les noms, ils peuvent être le foule, les noms. Tu as maîtrisé. Il y a des cas, les trois, pratiquement trois clubs fait un. C'est pas possible, mais très bien. Écoute, on va faire la stratégie. Nous disons que les gens sont en train de faire du football. C'est ça. Des lois qui interdisent ça. Et à l'arrivée, on parle du niveau du football. Tout ça, c'est une des causes. Il y a le football, tu as un peu de la Daraja Hadia, c'est que. À cause de ces pratiques.
Non, Nour, je peux vous confirmer que l'année qui fait, la saison d'avant, il y a un entraîneur d'air trois clubs fait en l'espace de même pas six mois. C'est hors la loi. Non, Nour, à un certain moment, quand il faut l'entraîneur, il y a deux ans dans le club. On ne l'a pas appliqué comme mais on va de deux semaines, on va nous savoir. Comme telle loi, comme telle loi. Voilà. Comme il y a eu débat sur cela. Non, mais ce qui fait mal, Nassar, on a ce mal, Arsène Wenger, ils vont lui fêter la 15e saison à Arsenal. C'est simple. C'est de l'autre côté, monsieur Benzekri, est-ce que vous ne pensez pas que l'entraîneur Tami il a ses raisons? Il y a comme trois clubs dans l'année. Il dit que je suis là pour gagner ma. Quelle raison? Quelle raison? L'argent. Pour gagner mon. Voilà, pour gagner mon gagné. Il n'y a que l'argent, bien sûr. Oui, voilà, il y a l'argent. La seule raison, c'est l'argent. Moi, je ne donne pas beaucoup d'importance à tout cela. L'entraîneur, les entraîneurs, ils changent 3-4 clubs par an. Ils ont des agents, ils sont sous la coupe d'un agent, mais ils disent chaque. Parce que l'agent, il dirait que c'est pas possible. S'il a un contrat de 2 ans, il se fait payer pendant 2 saisons. Il peut pas, Hadji. Quand il a un agent, il dit que c'est vrai, Adnan. Pardon, c'est vrai, Adnan. Moi, je crois que ça change rien. Hein, s'il a un contrat de 2 ans. Ah, de 2 ans, oui, non, mais. Mac, c'est-à-dire avec un agent. Avec un agent, et après, quand on ira négocier avec le président, on aura un contrat en béton. Le président Hadak, avant de le limoger, il réfléchira deux fois. Ça, oui, ça, oui. Pour le canot, là, le canot, le canot, c'est Ben Skeredo qui a été temps. Donc, Mslim Ktoubi. Il y a un exemple, tu as l'entraîneur. Il faut payer deux entraîneurs. Exactement. L'entraîneur, tu as Al-Milaha, Haddan, Amlifak. Il a signé un contrat de 18 mois. Khlas, l'âme, ils ont changé. Ils l'ont changé. Il a crié sur tous les journaux, s'il veut que je parte, qu'il me paye. Mais au bout de quelques semaines, Mslim Ktoubi, Khlas déjà. Et puis, là. Il a un contrat. Très bien, messieurs. On passe à l'interview vérité. Elle vous est destinée, Nour. C'est une interview où il y a un droit de répondre oui ou là non. Il n'y a aucun problème. Très bien. Donc, la première question. Nour Benzekri, est-il vrai que quand vous arrivez dans une équipe, vous vous en prenez directement au cadre? Non. Non. Deuxième question. Est-il vrai que vous étiez un excellent joueur et que vous avez été bloqué injustement? Oui. Troisième question. Nour Benzekri vous a-t-on imposé un jour la titularisation qui m'a d'un joueur et vous avez refusé? Non. 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 Quatrième question. Ada, c'est un fait qui ne vous concerne pas, mais peut-être c'est un président. Un président, il paraît qu'il est Malak Rahodorka toujours en poste, que pour prendre l'équipe, quand Mazal Machi président, il est allé payer l'adversaire, ben je traiterai l'équipe Théo pour fragiliser l'équipe en place, pour les fragiliser, prendre la place Théo. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Oui et oui. Oui, oui. Donc c'est deux fois oui, vous confirmez. Oui, plus oui. Oui, plus je confirme. Oui, au carré. Sixième question, est-il vrai que dans un club, vous avez refusé de percevoir votre argent parce que vous avez été amené un sac? Oui. C'est vrai. Un sac en plastique. En plastique. Pour l'obscala. Oui, c'est vrai. Septième question, vous avez dirigé plusieurs clubs. La GSK, entre autres, le Mouloudia, l'USMA, le MOC, Bordj Mnayel, GSMB. Parmi les clubs, Kamel, est-ce qu'il y a un club vous avez regretté d'avoir dirigé? Non. Tes clubs. Tous les clubs que vous avez dirigés. Et je.
pratiquement, je les aime tous, sincèrement. Huitième question. Nour Ben Zikri, avez-vous été victime d'un complot de joueurs visant votre limogeage? Oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois en plus. Exemple. Non, oui, plusieurs fois. Ouais. Déjà, j'ai rajouté. Oui ou non, j'ai rajouté. Et plusieurs, donc, avec bzaf des clubs différents. Ouais. Un club, balak, hana, hana, f'Alger. Hop, simple, hein, le net, plusieurs fois. Voilà le dénesco. Club tiens, ouais. À part le net. Zidane, donc, on ne le fait. C'est un exemple. Le net plusieurs fois. Neuvième question. Nour Ben Zikri, à un moment de votre carrière, aviez-vous mérité de prendre en main l'équipe nationale? Oui. C'était à quel moment, non? Au moment où elle était au plus bas. C'est un challenge. Ouais. Après les années 90, donc. Je voulais ce challenge. Non, mais une période où tout le monde a été sélectionné. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu des approches ou là? Oui, il y a eu des approches. Oui. Il y a eu des approches. C'était question, chaque fois, une fois, ça a capoté la veille. La veille. Ouais. Où allais-je? La veille du rendez-vous, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est football, il est ainsi fait. Non, mais non, vous devriez savoir. Moi, je suis avec un Macbeth ou là. Football, c'est. Notre football, il est comme ça. Hein. Je peux poser une autre question. On dort, on se réveille, le lendemain, on change d'avis. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses comme il le faut. C'est-à-dire, on n'analyse pas, on ne cerne pas tous les problèmes ou les détails. Et puis, dès qu'on ne cerne plus rien, on ne maîtrise pas et puis on décide n'importe quoi. Mais si on faisait ça sur des bases réelles, peut-être qu'on ne changerait pas d'avis. Ça a capoté la veille, mais je connais. Non, Nanzid, smahli. On peut le dire, il y avait le Hajj Diaby. Nanzid, à cette fin de la période, il y a eu des négociations, vous avez avancé ou là? Pas eu de négociations. On est venu me voir, quelqu'un a dit voilà, on a discuté. Demain, le bureau fédéral. On va proposer votre nom. Voilà. Après, ça a capoté. Ça a capoté. واش حبيت تزيد تعرف انت سي بون سا كابوتي طيرها جابوها خلاص نو مي سيتي لا بون سوليسيون بتيتر كلكو بار بتيتر كو نو سي بتيتر كو نو سيتي لا دانيير فوا وين فوز ايتي بريسونتي بتيتر لا بروميير لا دانيير با جي ايتي بريسونتي بور ديريجي اون ايكيب ناسيونال بون جافي با اكسبتي يا با لونتون هاد لي جون كاتيجوري les autres catégories que les seniors. Que les seniors. Je n'ai pas accepté. Dixième question. Nour Ben Zikri, est-il vrai que vous avez traité un joueur de peureux parce qu'il avait refusé, de tirer un tir au but? L'Achtoulé Penalty, c'est le match USMA demi-finale, USMA Mouloudia. L'Achtoulé, les tirs au but, l'Achtoulé Penalty, il a trouvé un prétexte pour l'Achtoulé Penalty. Non, mais le prétexte, quand le gardien est arrivé. Non, je ne me rappelle pas de Hadji Belek, tu étais là. Hadji, je crois. Il parle de la demi-finale. Demi-finale, MCA Usman. Je ne pense pas que, avec le caractère que je me tapais un joueur. Un shoot. Il peut refuser que le Cheikh Smahli m'a dit que c'était. Il est top go. D'ailleurs, je peux le dire, il avait peur du match Usman Roule. Oui. Il s'est blessé juste avant le début. Quatre jours après, il est revenu en forme. Bizarrement, il est revenu en forme, mais il a été écarté carrément. Pour la finale. C'est du Ben Zikri. Il a été écarté. Non, il parle de la demi-finale. Mais je ne pense pas qu'un joueur, sincèrement. On était joueur puisse me dire, mais je ne tire pas. S'il est désigné, c'est que ça a été travaillé. Oui. S'il est désigné. On faisait des pénalités pendant. Il peut se rétracter. Non, je crois qu'il y a eu une deuxième. J'ai pas eu ça. Je crois qu'il y a eu une deuxième séance de tir au but, non?
Non, 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 on parle du, si on parle de demi-finale de la Coupe d'Algérie. Coupe d'Algérie. C'est ça, le match. Oh, non, la question est bien précise, c'était le match. Le score, c'était de 2-2, je crois. 2-2, oui, 2-2. Un match fabuleux. D'un autre match, Yassef Hamza, qui était jeune. Et qui avait inscrit un but qui a été refusé. Voilà. Mais on a les séries de pénalty. On a choisi les 5 tireurs. Je peux les donner en désordre, mais je m'en déchire l'ordre. Hamdani, oui. Vous pouvez le confirmer, vous avez quand même des problèmes avec des joueurs. Oui, oui. Mais j'aimais les cadres. Hadji Adlan était là, Ziri était là, c'était des cadres un peu partout. Moi, j'ai toujours aimé les cadres. Mais pour moi, les cadres, ça veut dire, c'est on ne peut pas dire les grands joueurs. Donnez l'exemple. Qui n'aime pas le bon joueur? Moi, sincèrement, je ne vois pas un entraîneur qui n'aime pas. Mais un bon joueur, c'est quoi la définition d'un bon joueur? C'est quoi? C'est l'exemple. Maintenant, moi, je me rappelle, il y avait Hadji et Ziri Alusma. Si ce n'était pas eux, l'éclosion des jeunes, Achiou, Razi, Yassef, ne serait pas fait. Peut-être qu'on aurait démoli le club. Parce que moi, je les avertissais. Ouais. Il faut aider ces jeunes-là. Ils sont sous votre coupe, il faut les aider. Imaginons un peu si ce n'étaient pas de véritables bons joueurs. Ils n'auraient pas aidé. Peut-être que je les aurais enlevés. Avec le club Boukara. C'est ça un bon joueur. C'est celui qui sied à la démarche du club et à la politique de l'entraîneur. Il ne faut pas avoir que les qualités techniques. La définition d'un grand joueur, c'est qu'il ait les qualités techniques, physiques, morales et intellectuelles. Donc, s'il n'a pas ça, c'est un petit joueur. Vous avez su, c'est-à-dire que vous avez lancé beaucoup de jeunes joueurs. Je rajoute une chose, j'ai pris l'exemple de l'USMA, comme je peux prendre l'exemple de Burj Munayn, où j'avais un joueur plus âgé que moi, qui était Baris. Baris, oui, Rachid. Ouais. C'est un exemple, mais c'était un exemple. C'était un exemple. Ah ouais, je n'ai jamais eu un problème avec lui. Et j'avais les Farhat, les Gnoun, un tas de joueurs qui étaient vraiment... Un entraîneur de caractère. Je suis un entraîneur. Mais au contraire, qui n'aime pas les bons joueurs? J'ai eu toujours que des cadres dans mes clubs où je suis passé. Donc, pas eu un tas de problèmes. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un joueur qui sort un peu de la zone, il peut s'attendre. Mais on s'est pardonné aussi. On s'est pardonné. Merci Nour, merci Adnan, merci Hadj, merci Nasser. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de garder le contact à travers la page Facebook de la chaîne. Sur ce, nous vous souhaitons une très belle fin de soirée en compagnie des programmes de Beurre TV. Bonne soirée, au revoir.